toute cette semaine, c'est Jean-Louis Zanin, le chef des fines herbes à Épinal, qui nous régale. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. À partir donc de légumes tournés que Jean-Louis vient de préparer, on a de la pomme de terre, de la carotte, de la courgette, des petits pois manchetous et du fond d'artichaut. Voilà. Et on va faire une papillote avec du bar et du saumon. Donc on est vraiment sur une recette légère, mais en même temps gourmande, puisqu'on aura une espèce de cuisson à l'étouffée, un peu vapeur. On s'occupe d'abord de la cuisson de nos légumes et on va leur faire une première cuisson. Voilà. C'est ça, hein, Jean-Louis, avant de les mettre dans la papillote. On va les pocher, on a mis de l'eau à chauffer. Je récupère tout. Voilà, on va cuire nos carottes. Je mets carottes, les pommes de terre. Voilà. Et les courgettes. Qui vont prendre le moins de temps, hein, bien sûr. Là, tu fais une première cuisson et après, la cuisson va se terminer dans la papillote. Voilà, ça se termine dans la papillote. D'accord. Mais il faut quand même bien avancer la cuisson parce que... Notamment les pommes de terre et les carottes, voilà, parce qu'on veut que ça soit un peu fondant. Voilà, la cuisson, elle est assez brève en papillote. Hein, et j'imagine que l'idée, c'est que tout se mélange, se parfume... Voilà, il faut que les arômes, tout se concentre dans la papillote. Justement, c'est le but d'une papillote. Tout est fermé et tout cuit à l'intérieur. Donc, les légumes, bien sûr, le poisson, la fondue de tomate... Et l'ail des ours. D'accord, ah oui, c'est vrai. Avec le fromage de chèvre. Ça aura du chèvre. On a vraiment les notes de gourmandise avec la petite concassée de tomate, le pesto et le chèvre. Voilà. Donc là, on a la petite concassée de tomate. T'as mis quoi dedans? C'est de la tomate que l'on a émondée, c'est-à-dire épluchée, coupée en petits cubes, et qu'on a cuit avec du basilic, un peu d'ail et du thym frais, tout simplement. Et donc là, tout le reste de nos petits légumes sont prêts. On n'a plus qu'à préparer notre papillote. On a quand même du pesto d'ail des ours. Pareil, ça c'est quoi? On a fait également avec des pignons de pin. Tu mixes ton ail des ours. L'ail des ours avec du pignon de pin, du frais bien sûr, du parmesan et de l'huile d'olive. Voilà. Donc on n'aura plus qu'à monter notre papillote, mais avant tu veux saisir des deux poissons, c'est ça? On va griller nos filets de bar uniquement côté peau. Ok, c'est pour avoir le côté quand même un peu croustillant de la peau. Voilà, il faut avoir le croustillant de la peau. Donc une poêle bien chaude, dedans tu as mis un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive. Voilà, et fariner juste le côté peau. Pour vraiment garder le côté croustillant. Voilà, tout à fait. Voilà. Oui, parce qu'après la cuisson, de toute façon, ça va se faire dans la papillote. Hein. Absolument. Voilà. On saisit bien la peau. Oui, parce qu'à mon avis, ça va être... Oui, parce qu'après, sinon, c'est trop cuit. Hein. Ah oui, non, il faut que ce soit vraiment... Tu vois, regarde. Ah, ouais. Il est encore cru, mais la peau, elle a grillé un peu. Donc la peau est grillée et après, on va faire notre papillote. Le saumon, pas besoin. Hein, on le mettra tel quel. Donc ça, c'est bon. Et on a tous nos éléments. Et donc là, on n'a plus qu'à faire notre montage de papillote. Hein. Au montage. Alors, une assiette creuse, ça c'est pour mettre le film. D'accord. Alors ça, c'est un film spécial. Oui, je connais. C'est du cartafata, on appelle ça. Oui, mais on en trouve, même en supermarché classique. Oui, bien sûr. Alors, on met notre feuille. On commence par un peu de tomate. D'accord. Donc au fond. Au fond. On va mettre... Là, le petit concassé de tomate. Voilà. Ensuite, on ajoute... On commence par le bar, le filet de bar grillé, le saumon. Oui. On assaisonne. D'accord. Du sel, un peu de fleur de thym. Tu voudras que je mette du poivre ou pas? Non, pas de poivre. D'accord. Voilà. Là, on va mettre maintenant... Notre fameux pesto d'ail des ours. Qu'on va juste tartiner grossièrement sur le poisson. Voilà. Ensuite... On met une tranche de fromage de chèvre 5 morts. Oui. Et tu rajoutes tes petits légumes. Nos petits légumes. Donc là, on va terminer de rajouter tous les petits légumes. On va faire une deuxième papillote. Au niveau de la cuisson, on part à combien pour combien de temps? On va les mettre dans un four assez chaud quand même. Hein, oui. Et on va les laisser environ 8 à 10 minutes. Et le four, quand tu dis assez chaud, c'est-à-dire? C'est un four à 180 degrés. D'accord. Mais on verra la cuisson, comme c'est une papillote transparente, au moment où on voit que tout bout, on sait que c'est cuit. C'est cuit. Donc après, je rappelle qu'on a déjà pré-cuit tous les légumes, ce qui permet justement d'être sûr du niveau de cuisson. Hein. Donc on surveille, mais entre 5 et 10 minutes. Et puis après, on n'a plus qu'à déguster, puisque quand la papillote sera cuite. Et là, tu rajoutes quoi? Je rajoute juste un peu de fumée de poisson au-dessus. Et là, on va la fermer. Fumée de poisson, c'est des déchets de poisson qu'on a cuits avec, avec des légumes, etc. Là, on ferme. Avec un petit lien. Attends. Tu me dis quand je peux y aller. Voilà, tu peux y aller. Vas-y.
Attends, il faut bien descendre en bas parce qu'il faut bien prendre tout. Voilà, comme ça. Donc là, on va l'enfourner et après, on n'aura plus qu'à surveiller la cuisson et à déguster. C'est top parce qu'effectivement, tu as tout qui a cuit ensemble. Ouais, et donc, ça a énormément de parfum. Mmh. Le pesto s'est mélangé avec la tomate. Il y a les petites notes de chef qui fonctionnent très, très bien avec ce côté pesto et qui sont là pour assaisonner, en fait. Et être là et condimenter tous les petits légumes et le poisson. Donc, non, c'est une belle recette. Je trouve que c'est ludique et très sympa, quoi. Voilà, on n'a pas l'habitude de présenter le poisson comme ça. Non, c'est ça. Mais tu vois, c'est assez sympa. Ouais, non, c'est très bon. Prochaine recette, ça sera quoi, Jean-Louis ? Alors, la prochaine recette, on va rester dans l'esprit estival provençal. Mm-hmm. On va faire un gigotin d'agneau au romarin. D'accord.